Salut les potos, c'est JJ officiel, j'espère que vous allez bien les potos aujourd'hui, car moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui les potos pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, là je suis en train de traquer un toxique qui s'appelle Icefy Heaven. Donc bien évidemment, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça c'est son PSN. Après encore une fois les potos, pourquoi tout simplement Icefy Heaven? Parce que tout simplement, quand on était en mission du casino pendant la semaine triplée, non c'était quoi, c'est en doublé, quand il y avait les missions de Madame Baker au casino, avec les frérots, il y avait des missions où on galérait, et Mr. Icefy Heaven, donc comme vous pouvez le voir son pseudo là, et ben il s'est amusé. Il s'est amusé à nous dire que on était éclaté. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, comme il m'a dit ça, et bien tout simplement moi j'ai essayé de rejoindre sa session et vous allez voir qu'à plusieurs reprises il quitte la session. Moi je voulais un AV1 avec lui, mais malheureusement il se défile ou carrément il appelle des potes à lui, il appelle des amis à lui. Donc Icefy Heaven, je sais que tu verras la vidéo. Quand tu dis à un youtubeur tout simplement, ouais, t'es éclaté, nanani nanana, et que le youtubeur, il essaie de rejoindre tes sessions et que toi tu quittes, comme on dit, miroir, miroir. De toute façon, comme j'ai dit, je vais vous mettre l'épreuve à l'image, comme ça au moins il n'y a pas de ouais, bébé, fait, nanani nanana. Je dis, bon visionnage, les potos. Donc là, déjà, comme vous pouvez le voir, donc là j'ai rejoint sa session. Donc j'ai pris ma MK2 parce que le Gugu c'est en MK2. Donc plus précisément là il est à la plage. Donc je l'ai repéré hein, sur la carte. Donc là je me dirige vers lui. Donc là comme d'hab, hein, donc avec ses MK2, je pense qu'il essaye de tuer quelqu'un avec son bateau là. Donc le gars qui était avec son dinghy, tu le laisses tranquille, Gugus. Donc là regardez, hop, donc là je le joue. Donc là il me tourne autour, je pense qu'il essaye de me faire une feinte avec le MK2. Et là boum, encore une fois, donc là regardez, hop, il s'amuse à me faire des feintes, il essaye de me lancer un missile. Et là je lance un missile, hop, ah, il s'en est quitté. Alors comme je vous ai dit les potos, quand on a une MK2, faut savoir l'utiliser jusqu'au bout et ne pas quitter la session. Hein. Ah oui, et je tiens à préciser, les MK2 qu'il utilisait là, bah, tout simplement, c'est obligé que tu as dû la recevoir en don de véhicule, jeune Icefy Heaven. Encore une fois, quand on reçoit des véhicules en don de véhicule, faut savoir les maîtriser. Hein. Mister qui gratte de gauche à droite. Et ah oui, comme les potos, comme le Gugus il disait que ouais je suis éclaté, c'est pas pour dire hein. Si toi t'es fort sur GTA, pourquoi tu quittes la session? Moi je comprends pas, Icefy, y'a plus personne. On en parle, y'a plus personne. Et moi les potos, ce que j'ai décidé de faire par la suite, c'est de le rejoindre une nouvelle fois pour voir comment il va se débrouiller. Donc là regardez, je lui lance un missile, boum, Icefy Heaven en PLS, je répète. Bien évidemment les potos, comme il joue toxique, et ben moi aussi je joue toxique, donc avec le missile du sous-marin. Donc là on l'a encore tué. Alors Icefy, plus personne? C'est qui est éclaté au sol? Alors on est en PLS? Donc là je lui envoie un message bien évidemment, hein, hein, bien évidemment sans filtre, je lui dis très clairement ce que je pense de lui, voilà. Donc là regardez le message en question que j'ai dit à Icefy, j'ai dit ha 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 ha, 2-0, pleure. Bah en gros tout simplement, t'es là, tu fais le malin, bah qui fait le malin tombe dans le ravin. Donc là vous avez vu le message, ha ha ha, 2-0, pleure. Donc moi comme ça on dit pas, oh, Dieu, je lui cache ton jeu, je mets tout à l'écran les potes. Voilà. Il faut savoir que le Gugus, apparemment, il saurait m'humilier, mais c'est moi qui l'humilie, là. Hein. C'est ça qu'on veut. Hashtag, hashtag, c'est ça qu'on veut.
Et là, comme vous pouvez le voir, les poteaux, donc là, je vous fais un zoom dessus. Le mec s'est mis en organisation fantôme. Hein. Le mec s'est mis en organisation fantôme, ce qui veut dire qu'il se cache pour essayer de venir me tuer. Sachant que DJ Officiel, il est plus malin que lui, parce que dans le sous-marin, je sais pas si tu savais, à Isfah, il y a la possibilité de se déplacer d'un point à un autre, si jamais. Hein. Je pense qu'il a essayé de me berner. Sauf que moi, je suis un vrai joueur depuis PS3, hein, de GTA 5. Hein. Donc encore une fois, le gars a quitté la session. Donc là, les potos, on se retrouve dans une nouvelle session. Donc là, vous avez vu que Isfah, il a appelé du renfort. Il a appelé Floopy. Hashtag Floopy code barre. Et aussi Floopy. T'es son sbire à ce que je vois, parce que il m'a envoyé un message, le Floopy, en disant oui que je faisais de la peine, etc. Bah pour répondre à ton attaque, Floopy, je te le réponds là en vidéo. Isfah, il en a rien à faire de toi, c'est juste tout simplement qu'il t'appelle parce qu'il a besoin de quelqu'un qui vient le sauver, faire le petit héros, sauf que t'es un zéro, j'ai envie de te dire. Parce que comme je vous l'ai dit les potos, tout simplement, les deux gugus m'attendaient devant la salle d'arcade en organisation fantôme et en MK2. Faut qu'on se le dise les potes, vous allez voir ça par la suite. Donc là comme vous pouvez le voir, regardez, là il y a Monsieur Floopy qui se fait écraser par un bus d'ailleurs, boum, allez on est mort. Et son sbire qui est là, donc non ça c'est Isfah Even et Floopy c'est son sbire. En gros son esclave quoi, son tchoupa tchoupa. Donc là comme vous pouvez le voir, là j'essaie de le péter, ça a pas fonctionné. Mais vous inquiétez pas parce que DJ Officiel il est très très malin. Donc là regardez hein. Les deux sont fans de moi, Floopy. Donc Floopy et Gugus Isfah Even. Et hop, encore une fois, organisation fantôme. Là cette fois-ci c'est organisation fantôme, mais en duo. Eh franchement les gars, vous en avez pas marre de vous cacher? Arrêtez de vous cacher. Vous avez peur de DJ Officiel ou quoi? Putain, mais l'organisation fantôme chez vous, il n'y a que ça qui fonctionne à ce que je vois. Hein. Ah oui, j'allais oublier. Organisation fantôme plus MK2. Donc là les potos, moi ce que j'essaye de faire, c'est de essayer de les piéger. Là comme vous pouvez le voir, ils tombent dans mon piège. Vous avez vu ou pas les potes? Floopy, ton nom est un flop. MDR. Et là, j'ai vu entre temps que il y a un poteau qui a rejoint. Donc, Cameron. D'ailleurs, là, je me suis téléporté. Vous avez pas vu comment on les a brindes? Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Oh, c'est quoi? Vous avez aucun QI, hein? C'est moins 1000 de QI que vous avez dans la tête. Victim Bolos. Alors là, comme vous avez vu, tout simplement, donc là je me téléporte, ils se sont encore fait avoir les poteaux. Donc moi ce que je vais faire comme eux, tu vois, je vais me cacher, hein. Salle d'arcade, sous-marin, salle d'arcade, sous-marin, etc, etc. Tu vois, je vais faire comme eux, ils font depuis tout à l'heure, MK2, organisation fantôme, MK2, organisation fantôme. Donc voilà les poteaux. Attention les potos, ah oui je tiens à vous préciser parce que tout simplement là dans le montage je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais là ce passage que je vous mets c'est au moment que le Gugus Floopy est venu vers moi. Donc Floopy, encore une fois t'es pas discret mec, hein. T'es pas discret, au lieu de mettre ouais français allemand, dis tout simplement qu'il était un français. Voilà, arrête de te faire passer pour un mec que tu n'es pas, Floopy. Encore une fois, mes abonnés ont rigolé sur ton pseudo, hein. Floopy. Moi, je m'appellerai Floopy, je me cacherai tous les jours. Hein. Ah oui, parce qu'attends, on a parlé de Isfah, mais on va en venir à toi aussi, Floopy. C'est toi le fameux justicier de Isfah Even? Eh ben, dis donc, t'as des gaines. C'est quoi? C'est Barbie Girl? Bon les potos,
On se laisse là-dessus. Bien évidemment, avant que je vous laisse les potos, j'aimerais vous montrer que Floopy m'a demandé en ami, parce que comme il avait vu que j'étais youtubeur, donc c'est pour ça que monsieur a fait sa lèche-botte envers moi. Donc du coup, Floopy, ta demande d'ami, tu veux te la foutre où je pense. Et encore une fois, ton pseudo, Floopy, c'est quoi? C'est une marque de flan? C'est pas une marque de flan, ça, les potos, les Floopy, là, les marques de yaourt, là? Là, mais en tout cas, les potos, c'est bien de faire du lèche-botte à DJ officiel. Et de toute façon, je vais vous mettre d'autres screens, les potos, parce qu'il y a aussi des messages, donc je vais vous montrer tout ça, les potes. Donc, vous êtes prêts? Ok, donc là, j'ai envoyé des smileys rigolants sur Floopy, il n'a pas répondu. Ça, c'est Icefy. Tu es en session, est-ce que je vois avec des smileys qui rigolent, il n'a pas répondu. Et ça, c'était Floopy en session, tu fais de la peine MSKN, en gros, miskin.